Écho des vieux coins où il y a une skiova. Chat. I am the mutant. I could cause. I am Kuko. Une masse qui s'élève vers le ciel. Je pense donc que c'est un colosse qui a la capacité, bien évidemment, de voler. Salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans la suite de Shadow of the Colossus. Nous en sommes à l'épisode 4 et nous en sommes au colosse numéro 5. On est parti. Alors déjà, par où est-il? Déjà, par où est-il? Il n'est pas du tout par ici. Il est pas du tout par ici. Et il est totalement... Ok, cette fois-ci, il est derrière. Donc là, on fait à peu près tous les points cardinaux autour du... Comment on peut appeler ça? Du réceptacle, hein, bien évidemment, où il y a ma dulcinée que je dois revivre en tuant, je le rappelle, tous les colosses, qui sont au nombre quand même de 16. Ce n'est pas rien. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, c'est une belle plaine. On a un aigle. Est-ce que je peux tuer l'aigle? J'en ai fichement aucune idée. Attendez. Il est où? Il a totalement disparu. C'est un aigle ultra puissant qui a la capacité de disparaître. Alors, on est reparti. C'est pas grave, on continue. Écoutez, je ne sais pas du tout où il est. Je ne sais pas du tout où il est passé. Je vous avoue que j'en aurais bien fait mon 4 heures, si je peux me permettre l'expression. Donc, c'est par ici. C'est par... Non, il est pas du tout. Il est plus par ici. Est-ce qu'on a quelque chose? On peut aller là-haut ou pas? Yes, on peut totalement aller là-haut. Par contre... D'accord, c'est pareil. Putain, les plaines sont gigantesques. Alors, vous êtes très nombreux, à me faire déjà rappeler que à chaque fois que je tue un colosse, il y a une nouvelle ombre qui s'ajoute autour de mon corps. Alors les gars, bien évidemment, vous vous doutez bien que ça, je l'ai cramé à 4 km. C'est tellement évident que j'ai préféré ne pas en parler. Attendez, hop, il y a un arbre, on sait jamais. Peut-être que cet arbre a un fruit. Parce qu'on m'a dit de bien surveiller les arbres au cas où ils ont un fruit, donc... Bien évidemment, c'est tellement évident, voilà, j'en ai pas parlé. C'est les ombres des colosses qui se réunissent après autour de mon cadavre. On ne sait pas encore exactement ce qu'ils veulent, mais ils sont là. Oh, 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 attendez, j'ai vu quelque chose. J'ai vu un artefact bleu. Est-ce que c'est le jeu? Voilà, il y a un artefact bleu là. Ah, mais c'est des papillons. D'accord. Ok. Et aussi, vous êtes nombreux à dire, oui, mais Bivol, je comprends pas, le jeu est vide. Mais c'est normal, je vous le rappelle encore une fois. Donc, ce jeu est sorti à l'identique, hormis les graphismes, évidemment, et la résolution, vous vous en doutez, sur PlayStation 2, les gars. C'est-à-dire que les colosses que vous voyez, qui donnent cette impression de grandiose, de gigantisme, comme ils le disent si bien, et ben ces colosses-là, ils étaient sur PS2. Et on avait cette même impression sur PS2, il y a 15 ans de cela. Peut-être que la moitié de ceux qui regardent la vidéo n'étaient même pas nés. Oh, ok, on a un hôtel. On a totalement un hôtel. Ok, le colosse est pas loin. Le colosse est pas loin. On va peut-être prier cet hôtel, si je peux me permettre l'expression. Voilà, on va totalement prier. Bon, ça redonne de la vie et tout, mais vu que j'ai quitté entre temps le jeu, vous vous doutez bien que je n'ai pas spécialement besoin. Mais quand même, on sait jamais. On m'a dit que près des hôtels aussi, il y avait un lézard à la queue blanche. Et que ça augmentait l'endurance. Comme quoi, je lis bien tous vos commentaires. Hein. Par contre, tous les commentaires de spoil sur les colosses, ça c'est banni. J'ai des modérateurs efficaces. J'ai même pas le temps de les lire. Et de toute façon, je ne les lis pas. Ok. Bon, bah de toute évidence, je ne le vois pas. Je ne vois pas ce lézard à la queue blanche. Il est peut-être un peu plus aux alentours. Il est peut-être pas directement collé à l'hôtel. C'est pas grave, qu'à cela ne tienne, on est sur la bonne direction. Alors là, on va s'envoler, les gars. Là, je pense qu'on va s'envoler. Donc, imaginez-vous, il y a 15 ans, avec ce jeu, quand pour la première fois, un colosse prenait son envol et vous étiez sur son dos ou autre. Je sais pas exactement, je connais pas la suite. Mais imaginez ça, c'est juste fantastique en fait. Ok, c'est donc par ici. C'est juste fantastique. Qu'est-ce qu'on a là? On a une petite crevasse. Peut-être que comme les lézards précédents à la queue noire, peut-être qu'ils sont par ici. Ok, c'est là. Hein. Agro! Doucement, frérot. Ok. Ok, bon, bah, c'est par ici. Alors là, les gars. C'est beau. C'est beau, mais... Je pense qu'il faut sauter directement dans l'eau. Les eaux brumeuses, donc on y est déjà.
J'ai entendu parler d'eau brumeuse. Mais alors par contre, savoir où est l'entrée, je pense que si vous voulez mon avis, c'est là-dedans. Et en plus, imaginez que sur PS2 non plus, il n'y avait pas de temps de chargement. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Je trouve que à l'époque, la Team Nico était juste dingue, en fait. The Last Guardian a malheureusement, pour moi, été sorti trop tard. Il a été trop longuement repoussé. Un petit peu... Ah, mais c'est là-dedans, tout simplement. Il devait sortir sur PS3. Et clairement, le sortir sur PS4, c'était le pire truc à faire. Sachant que ça suivait pas trop au niveau technologie. Ils avaient pris du retard à vouloir prendre de l'avance. Mais clairement, la Team Nico a une longueur d'avance sur leur jeu. En tout cas, sur les deux premiers jeux qui étaient Ico et Shadow of the Colossus, qui étaient juste incroyables. Hop, j'ai oublié de m'accrocher. Et... Putain, les gars, c'est ça qu'il faut se dire. Ouais, le jeu est vide. Après, il a été entièrement refait et tout. Je parle en termes de texture. Le texturage, si je peux me permettre de parler scientifiquement parlant, a été refait. Mais dites-vous que on remonte 15 ans en arrière. Il y a 15 ans en arrière, tu te baladais dans les mêmes ruines avec les mêmes proportions, avec les colosses, etc. etc. Ok. Vas-y, présente-moi mon prochain adversaire. Ah! Il est quand même balèze! Il est quand même balèze, on va pas se mentir! Donc si je tombe, c'est pas bien grave, c'est de l'eau, mais par contre, ça a l'air extrêmement chiant pour remonter sur le colosse. Donc on va l'observer. Il est beau, c'est un très beau colosse qu'on a là. Et il a une belle queue, si je puis me permettre. Je vous ai dit qu'on adorait les queues dans ce let's play, hein, bien évidemment. Il a une très belle queue. Il y a 4 milliards d'endroits pour monter. Donc on va monter, les gars. On va monter. Mais alors, où j'en ai fichement aucune idée pour l'instant. Là, je vois des sortes de petites plateformes. On va y aller. C'est un très beau colosse. Hein. C'est un très beau colosse. Et encore une fois, je vous avoue que ça me fait mal au cœur de toujours les tuer. J'ai pas l'impression. Ils ont pas l'air méchants. Ils sont juste dans leur habitat naturel, entre guillemets. Après. Quid des ombres à l'intérieur? C'est ça la grande question que je me pose évidemment. Alors ne spoilez pas en commentaire, encore une fois, ça ne servira à rien, vous allez perdre votre temps. Mais quid des ombres à l'intérieur? J'ai hâte de découvrir la suite. Ok, on peut passer par ici, ça me paraît... Oh, c'est beau ça. On a un petit truc. On va essayer de le provoquer déjà calmement. Ouais, on a un petit truc vite fait finalement. Dans mon corps. Il a l'air de s'envoler là, non? Il a l'air de totalement s'envoler, on a aussi un petit truc là-haut. C'est très intéressant. On va le provoquer, les gars, on va le taquiner un petit peu. Et on va voir un petit peu comment il réagit. Ok. Dis-moi comment tu réagis. Je te dirai qui tu es. C'est impressionnant. Oh, c'est impressionnant. Ok, il fait donc une attaque. Alors là, sauter sur son aile, je vois pas. Ça me paraît bien compliqué. Ok, il fait donc une petite attaque du type. Il revient à la charge. Ok, c'est bon. Ok, c'est donc une attaque du type classique. Rien de bien folichon, si je peux me permettre l'expression. On va continuer. On va aller par là-haut. Alors là, j'ai l'impression que j'ai du mal à nager là. C'est un peu terrible ce qui se passe. C'est un peu terrible. J'ai l'impression que j'ai extrêmement de mal à nager. Après, nager avec un arc, c'est pas évident. C'est pas vrai. Nage! Nage, frérot! Faut y aller maintenant! Mais tu nages trop lentement! Tu veux causer ma perte! Il faut carrément que je fasse une coupure vidéo pour aller jusque là-haut! Ok, il y a quelque chose. Ça. Je vais pouvoir y aller quand je serai en l'air, je suppose. Je vais totalement pouvoir y aller quand je serai en l'air. Est-ce qu'il va se reposer quelque part? Il n'y a aucune fichue idée. Je ne pense pas. Est-ce que je peux pas finalement le choper en l'air quand même? Allez, s'il te plaît, un petit effort. Bombarde un peu, gros. C'est pas vrai. Non, je vois pas. Ici, on peut vraiment rien faire. Sorte d'hôtel comme ça en plein milieu, on peut vraiment rien faire. Ça ne sert à rien. Tu me perds de temps. Je pense
que je peux monter dessus. Non, ça, on peut pas monter dessus. Ok. Je pense que je peux monter dessus. What I was, it's alright. What I occur, it could never be. Ok, on est parti. Donc, placez-vous sur une dalle à la surface pour l'attirer vers vous. Bon, bah, ça, j'ai bien compris, hein, les gars, on va le faire. Par contre, quelle dalle ? Il y a toujours trois dalles, c'est-à-dire il y a les ailes et la tête. Mais alors, quelle dalle ? Peut-être Raphaël, la dalle. Ah, excellent. Ok, il va m'attaquer. Allez, viens, Coco. Viens, 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 viens. Bien, 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 bien. Oh putain, là je suis vers la tête, ça sent pas bon ça. Hein. Ça sent la douille, comme disait Maître Gims. C'est bon, j'ai. Impeccable. Impeccable celui-là. Ok. Bon, maintenant va falloir trouver son point faible. C'est incroyable! C'est impressionnant. Matez ça! Encore une fois, c'était sur PS2, les gars! Il faut se remettre la situation dans le contexte. Voilà, je sais pas, je pense que je mérite pas. Ok. C'est sur sa queue. Sa belle queue soyeuse. Je pense que c'est sur sa queue. C'est totalement pas sur sa queue. Non ! Non ! Putain, le coup dur ! Le coup dur du joueur franco-allemand ! Ah, oh, ça fait mal, hein ! Ok. Qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. Ok, donc c'est pas sur sa queue. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Très bien, on va le réattirer. Je vais pas renager, attends, rassure-moi, dis-moi qu'il peut passer par ici. Dis-moi qu'il peut passer par ici. Pas l'air de revenir. Ok. Monsieur, faut se sentir énervé. Voilà, c'est bon. Allez, maintenant on y va, je vais sortir l'épée. Histoire de pas tomber deux fois dans le panneau. Alors là, je le connais bien. C'est une histoire de placement, si je puis me permettre. Hein. Tous ceux qui ont passé le permis comprennent. Faut donc prendre un virage assez large pour pouvoir créer son attaque de plein fouet, si je puis me permettre. Donc là, on va aller là-haut pour m'attaquer. À moins que je sois pas sur une bonne plateforme, et ça serait chiant. J'ai pas l'air... Non, là il va m'attaquer. Là, putain, il est déterminé. Là, il veut m'arracher, là. Vas-y, viens, mon pote. Viens, mon gars. Ok, on est retourné là-dessus. Bon, une de ses ailes, vous croyez? Non, me dis pas que c'est en dessous. Non, c'est pas en dessous. Ok. Où il est? Sur l'aile, je ne vois rien. Ok, on va s'accrocher calmement. On va rester calmement ici. On voit dans le ciel les traces. Mais où il est? Où il est, ce point? Ok, on va rester accroché, on va attendre qu'il fasse une ligne droite, le frérot. Non! Oh putain de merde! Ok. Alors là, là c'est dingue ce qui se passe. C'est donc totalement sur une aile. C'est donc totalement sur une aile, on y va! C'est énorme. Les effets de vent qui me ramènent. C'est juste fou. C'est juste fou. C'est totalement sur une aile. Mais oh putain. C'est terrible. Ça peut pas être en dessous par contre. C'est là. Ok. Et de un coup. Waouh. Waouh. Ok, c'est impressionnant ça. Ça tu me l'avais pas fait. Un petit winning. Oh, ça se fait des petits plaisirs hein. C'est son côté. Ok, le point faible a totalement déjà disparu. Non, 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 non. Ok, c'est bon. C'est bon. Je suppose que l'autre est sur l'autre aile. Ok. Ok,
Ok, on y va. Il est sur le trail, désolé si vous entendez encore mon chien. Bah il est jeune, hein, vous savez. Il a jamais vu des oiseaux aussi gros, si je puis me permettre. Allez, on cavale. Non ! Ah, ma vie est nulle ! Aïe ! Waouh ! Oh, je me fais trimballer ! C'est terrible ! C'est terrible ! C'est terrible ! Allez, on assaigne le coup. Ça, ça fait mal. Ok, c'est toujours le même point faible. Vraiment désolé si vous entendez mon Eiji, c'est mon nouveau chien, Shiba Inu. Aïe ! Mais là, c'est impossible. Ok. Ok, c'est bon. Ok, donc je suppose que là, son dernier point faible est sur sa queue. Sa queue incroyable ! Et nous y sommes. Et après, je pense qu'il faudra revenir sur la tête. Ou alors sur une aile encore. Donc il a 3 points faibles. Ok, il a 3 points faibles et là je pense que c'est le dernier. Je mets des petits coups comme ça, tu vois. Ok, il était pas mal. J'ai adoré ce colosse. J'ai adoré ce colosse. Waouh! Sous le vent. Si tu crois que c'est fini. Garou, Céline Dion, on adore. Est-ce que l'ombre va venir me tacler? J'en ai aucune fichue idée. On va repartir par là-haut. Eh, on s'en est très très bien sorti, les amis. Alors, waouh! Non mais vous avez vu comment elle m'a taclé! Elle m'a taclé, les gars! C'est hors-jeu, ça, monsieur l'arbitre! Donc, les gars, la vidéo est sûrement courte, mais si vous regardez la vidéo le jour où elle sort, sachez que j'ai enregistré 2 heures avant que vous mettiez votre like. C'est incroyable. Donc voilà pourquoi elle est si courte, mais j'ai adoré ce colosse. J'ai adoré ce colosse. Un géant tapis sous un temple et il n'est pas dénué de raison. A mon avis, il va falloir clairement réfléchir sur ce colosse. Le premier colosse qu'on a vu, bah finalement, j'ai eu réponse à ma question dans les premiers épisodes. Oui, il y a bien des colosses qui volent et celui-là, pas beaucoup de réflexion. Voilà, fallait juste sauter dessus, rien de compliqué, rien de difficile. J'ai même été limite chercher un moment un peu trop loin. Il était assez simple. J'ai hâte de voir le prochain. Rendez-vous au prochain épisode. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Le prochain épisode, c'est samedi. Je compte sur vous pour être présent, évidemment. Et demain, c'est du Horizon. Passez une bonne soirée. À très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.